Bonjour à tous. Alors, quand je reçois une batterie, la première chose que je regarde, c'est déjà l'emballage. Donc là, apparemment, c'est déjà sérieux. Plus à l'intérieur, de la mousse de protection et un plastique. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur du carton. Donc on peut voir que c'est extrêmement bien protégé. On a deux caches en plastique de protection. Donc les bornes sont en laiton. On va pouvoir y visser les vis là. On a une sangle pour porter la batterie. On peut la détacher facilement. C'est une batterie de 12,8 V de 100 Ah et de 1280 Wh. Voilà, donc c'est une Life Pocket. La marque, c'est Oulike. On va la charger avec un voltage de 14,6 V et un courant entre 20 et 50 A. Et on va décharger avec un courant de 50 A. Le maximum de courant de décharge sera de 100 A. Ici, on a toutes les certifications. Donc la tension est de 13,25 V et la résistance interne est de 4,18 milliohms. Je vais maintenant faire un test avec un sèche-cheveux. Donc là, j'ai branché un ampèremètre en série avec la batterie. Donc j'ai un courant de 45 A. Voilà, donc j'ai calculé la capacité de la batterie en fonction du courant de décharge que je lui ai appliqué. Donc 45 A pendant 2h15. 15 minutes, ça correspond à 0,25 heures, soit 2h25. Donc un courant de 45 A pendant 2h25, ce qui correspond à une capacité de 101,25 A. On a une notice en français. Mais j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus grande et un peu plus détaillée.
Voici une photo de l'intérieur et au-dessus, on peut apercevoir le BMS et le joint d'étanchéité. Elle est renforcée par un cadre métallique. Elle est composée de 4 cellules.